Ouais, salut les camarades, aujourd'hui on est réunis pour mettre en avant la revendication de la jeunesse et des 5 jeunes là qui ont organisé la manif d'aujourd'hui, bravo à eux, ils ont charbonné dur depuis un mois et du coup ils ont... Du coup, hier, ils ont préparé un texte qui est un genre de lettre ouverte à la République pour montrer qu'il y a plein de problèmes dans la jeunesse et qu'il y a des solutions simples et qu'un État serait à même de les apporter facilement. Et donc, je leur laisse la parole. Et juste après leur lettre ouverte à la République, j'invite tout le monde à prendre la parole sur la jeunesse, que ce soit pas, bon, bien sûr, les mômes en premier, mais même les parents, vous pouvez en parler. Hein. Et voilà, donc tout le monde est invité. Nous, jeunes militants, adressons cette lettre ouverte à la République dans le but de vous exposer aux problématiques que rencontre la jeunesse et vous montrer que les solutions sont simples et qu'un État devrait mieux s'occuper de la jeunesse. Qu'elle se rappelle que cette jeunesse est son avenir. Voici les problématiques de la jeunesse. La mauvaise organisation de Parcoursup, les cantines et les prix des fournitures sont trop chers. Les inégalités des traitements dans les établissements publics et privés. Le manque d'accès à la culture, précarité étudiante, salaire trop bas et conditions de travail dégradées des professeurs. Le manque de moyens dans l'orientation des élèves et pression sur les résultats scolaires. Beaucoup d'élèves diplômés se retrouvent avec un emploi précaire. Pas d'égalité homme-femme dans le traitement des élèves, orientation, habits, etc. L'exploitation des stagiaires et des emplois étudiants. Manque de moyens pour aider les déscolarisés. Yes. Ces problèmes sont bien sûr nombreuses, mais les solutions sont simples. Plusieurs moyens dans l'orientation des élèves. Des motivations autres que via la pression des résultats. Fourniture et alimentation gratuite pour les élèves et étudiants précaires. Accès à toute forme de lecture pour... De culture pour les moins de 25 ans. Transport gratuit pour les moins de 25 ans. Augmentation des salaires et meilleures conditions de travail pour le personnel éducatif. Nous demandons aussi plus d'accessibilité pour les emplois étudiants, de la liberté vestimentaire, la rémunération des stagiaires, la création de formations pour les personnes déscolarisées, la suppression de Parcoursup, la création d'infrastructures autogérées élèves-étudiants. Évidemment, en tant que gouvernement libéral, vous nous répondrez que ces mesures coûtent trop cher. Vous qui aimez l'histoire, rappelez-vous que le Conseil national de la Résistance en 1945, alors que le pays était détruit, et n'avait pas d'argent à créer la sécurité sociale. Une des plus grandes mesures que la santé publique ait connue. L'argent, vous l'avez, et les mesures sociales, vous pouvez le faire. La jeunesse vous attend. Il y a des gens qui veulent témoigner pour les jeunes et tout ça. Bah... Mais lesquels jeunes? Excusez-moi. À partir de quel âge? C'est dans la tête.